Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Destroy All Human 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Kurlik découvre une nouvelle race de homards. Les homards sont incomestibles, mais ce n'est pas la faute d'avoir essayé. Bon. Le camarade qui venait du froid. Private camarade. Bien, on fait, Serge, je suis un furent occupé. J'ai un indice sur le projet Solaris, tu pourrais peut-être le suivre. Le projet Solaris? Ok, j'écoute. J'ai le nom du chercheur qui dirige le programme d'armes organiques. Son nom est Dr. Orlov. C'est tout. Bien, tu as un nom ou puis-je trouver cet Orlov? Je n'ai pas pu découvrir où il se trouve actuellement, mais c'est une petite ville. Tout le monde connaît les affaires des autres. Et moi, j'ai un visage qui donne envie de gens de me parler, même si je doute qu'Orlov soit d'humeur bavarde. Fais ce que tu as à faire. Mais ça veut dire beaucoup venant du KGB. Okidoki. Bonne chance, camarade, et n'aie pas peur d'être un peu brutal, s'il te plaît. Ben, on ne fait pas d'omelette sans casser quelques œufs à Fabergé. Aucune idée de ce que Fabergé veut dire. Whole town is talking about eccentric doctor living out by frozen lake. I am wondering if he treats yeast infection. I am not wanting to investigate, yet I am resisting. I was being out to northwest and here hunting bears of the night. I nearly was shooting this crazy scientist. Idiot had better be being more careful, or is liable to get big brain blown off. Rapide et dangereux. Un singe mort ne parle pas, et je dois interroger celui-là sur le projet Solaris. Merde. Ça ferait mieux de sauver ces miches de singes.
Colisse! Tabarnak. After
Leave it to me. I'll be back. Oh,
Ben, si bon. Docteur Orlov, je présume, comment se fait-il qu'on ne voulait pas donner une ponctuation courte dans Dargo? Je ne sais pas de quoi vous parlez. On dirait que vous avez une petite infestation du KGB, heureusement. J'étais là pour les exterminer. Oh, c'était vous, je suis impressionné. Excellente coordination, man. Hey. Vous devriez essayer le jeu vidéo, je l'ai développé pendant mon temps libre. Des jeux? Sur ordinateur? Vous perdez votre temps. Alors Doc, vous avez une seconde, je dois vous poser quelques questions. Ah, c'est tout? J'ai peur que vous soyez une de ces créatures extraterrestres venues m'infecter. Ben, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un extraterrestre maintenant à propos du projet Solaris. Ah, Solaris, ça, je sais des choses dessus. J'ai travaillé avec un programme d'armes organiques lié au projet Solaris. Mais j'ai arrêté après avoir vu des choses très étranges. Définissez étrange pour voir. Des créatures extraterrestres comme un manger en venue de l'espace et infecter les humains. Manipulant leur corps comme des marionnettes géants comme ça. J'ai peur d'être le prochain, alors j'ai commencé à travailler sur une arme. C'est probablement pour ça que KGB a attaqué, ou alors il voulait ma collection de bandes originales de Broadway. Cette arme sur laquelle vous travaillez, elle fonctionne? Je ne sais pas, je n'ai jamais terminé, tout est arrivé par hasard. Je me rendais au travail un jour et quand un objet étrange est tombé du ciel. C'est un fragment d'un vaisseau spatial extraterrestre, une bande de données que j'ai utilisée pour créer l'arme. Un artefact alien contenant des données sur le Bliss. Les merveilles ne cesseront jamais. Et si vous le trouvez, peut-être que vous pourrez l'utiliser pour vaincre les créatures. Ok, je crois que je commence à comprendre où est passé ce truc de données maintenant. Il devrait toujours être dans le centre de recherche de Godorok, Noki, Science Town. Accrochant, je ferais mieux d'y aller et de trouver avant que les crabes ne le fassent. Faites attention, le site est bien gardé. Bonne chance, Tovarish. Rappelle-moi votre nom. Kuriakin. Ilya Kuriakin. Ravi de vous rencontrer. Salut, Cake Bungay, comment ça va? What's up, Drat? Snap. Ça va, mon Cake Bungay? As-tu déjà joué à ce jeu-là? What is that being? What is that? I am here in research facilities making new kind of weapon. I cannot wait to be shooting something with it.
is being freed. Many guards are guarding research facility in town. They must be guarding something very secret. I wonder what is being. The artifact should be quite safe in that metal container. They are being far stronger than me. Are they insane? You cannot. I was overhearing Boris saying scientists are studying stretch armor. Premium price on black market. Oh, yes. Ah, je l'ai eu. Crypto! That artifact is, in fact, a data core of incredibly advanced technology. It contains reams of vital information on our war with the Blisk all those millennia ago on Mars. Even better, I should be able to use its data on Blisk weaknesses to. Le KGB appréhende définitivement le voleur de Hold Up dans le central nucléaire et était inconstablement. Déjoué. Quatre bastions dans le vent. Bonjour, c'est gentil à toi de passer. Ok, Pox, qu'est-ce qu'on va faire à propos de Blisk? Ces gros crabes. Ils nous tueront sans aucun doute si nous les tuons pas avant.
Il n'y a donc qu'une chose que nous puissions faire. Les détruire en commençant par leur vaisseau de guerre qui s'est écrasé. Malheureusement, comme nous l'avons dit, sa coque est invulnérablement aux armes furants. Cependant, il a une faiblesse, sa propulseur principal qui est protégé par une trappe blindée. Ouvre cette trappe, Crypto, et ensuite envoie le boom boom! Boom boom! T'es tellement mignon quand tu fais ça. Alors, comment je peux ouvrir la trappe de propulseur? Elle est sûrement bien verrouillée. Elle est, et ses scans révèlent que les contrôles de la trappe ont été désactivés. On dirait que les blés sont retirés, les cristaux de Nexus qui alimentent le circuit. Et ne les ont pas détruits, ces cristaux sont toujours là, quelque part. J'ai détecté une faible signature de Nexus quelque part dans le Bliss. Ouvre les cristaux de Nexus pour alimenter le circuit, puis ouvre la trappe, ensuite détruis ce vaisseau. Je crois que mon petit Crypto vient de se réveiller. Ok, Pox, si je suis bronzé, reposé et prêt. Fais embouillir cette marmite de crabe, bam. Et dirige-toi vers la base de Bliss et vois si tu peux trouver ces cristaux. Je vais continuer à scanner leur vaisseau pendant que tu seras à l'intérieur si je détecte. Sois prudent, ces Bliss qui sont beaucoup plus forts que tous les autres créatures que j'ai affrontées. J'ai compris, ne t'inquiète pas, Passambi avait raison sur une autre chose. Tout le monde a une faiblesse. Une faille, plutôt. Brace yourself, Crypto. Cette mission va être un test extrême de tes tests. Et tel en particulier, introduis-toi dans la base des Bliss. Ah, ben, ça peut durer longtemps, ça. Je me range qu'à l'autre niveau. Scanners are picking up a weak signal from one of the crystals near your current location. There, Crypto! That Blisk warrior has it! Take him out and pry that crystal from his cold, scaly hands! To get us both blowed up. You crabbies don't learn so good, do you? You know who they are to get the big man to talk to the TV show? That
Incroyable. Qu'est-ce que ça dit? Scanners are picking up a weak signal from one of the crystals near your current location. There, Crypto! That Blisk warrior has it! Take him out and pry that crystal from his cold, scaly hands! Récupérer les cristaux jaunes. Good work, Crypto. That's one Nexus crystal recovered. Let's go for two. There must be another Nexus crystal in the center of all that gas. Scanner signal is weak, but you have a nose like a bloodhound. Eh, Crypto? God, yes. Je prends mon vaisseau, je sais pas. Thank you.
faut que je voie là-bas. Ok, faut que je vais améliorer mon esti d'affaires. Oh! Excellent crypto. You recovered all the tous les cristaux de Nexus et moi, je dois un billet aux 5 livres de gastro. Maintenant, trappe le propulseur principal, tu vas devoir insérer un cristaux dans les emplacements du vaisseau mère pour reconnecter le circuit. Plus bas. Et voilà! C'est un travail, attrapez vos verres. Maintenant, la partie que j'ai su attendre appelle une soucoupe.
Crypto, l'heure est venue de jouer. Fais-en exploser. Le vaisseau des gars blessé. Souviens-toi, ne gaspille pas les munitions en tirant sur la coque. Le seul endroit vulnérable est l'intérieur de la propulseur. Tirer un pack de construction. Le pack explose un pack inflige des dégâts dans la large zone. J'étais déjà, mon vaisseau était déjà mort. Là, mon vaisseau va être en pleine santé. About freaking time. Enough pussyfooting around. We want to make boom boom. C'est un autre tableau qui va me faire donner, ça je le sens. About freaking time. Enough pussy fucking around. Do you want to make boom boom? Et au moins, je comprends un petit peu plus. Hein. Je vois dessus, je vais pitcher du stuff. About freaking time. Enough pussyfooting around. Me want to make boom boom.
Lâche-tu les rayons tout le tour un peu parce que là, ça marche pas. About freaking time. Enough pussyfooting around. Do you want to make boom boom? Ah, barnac! Qu'est-ce que je fais? About freaking time! Enough pussy putting around! Me want to make boom boom! Ouais, rien. About freaking time. Enough pussyfooting around. Me want to make boom boom. Aucune idée. About freaking time. Enough pussyfooting around. Do you want to make boom boom? Thank you.
about freaking time. Enough pussyfooting around. Me wanna make boom boom. About freaking time. Enough pussyfooting around. Me wanna make boom boom. C'est pas un moyen de défaire ça, cette affaire-là. About freaking time. Enough pussy putting around. Me wanna make boom boom. Bon, c'est une dernière fois. Ça, je checkerai sur internet la prochaine fois parce que là, ça marche zéro. About freaking time. Enough pussyfooting around. Me wanna make boom boom. We'll be right back.
le vaisseau, il se remplit plus. Est-ce qu'il se remplissait avant? Je vais essayer de m'éloigner, voir, parce que je... About freaking time! Enough pussy footing around! We want to make boom boom! Je ne comprends plus pas, toi. Non, il se remplit plus à cette avancée, il se remplissait. Non, là, il fait rien, toi. Il a menti, il est en train de mentir, tabarnak. Bon, mais ça va être ça. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Destroy All Human, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!